Les aventures de Jopa. Jopa, un boulanger d'Australie, marchait dans une forêt. Il cherchait le baillet à utiliser dans une nouvelle tarte pour sa boulangerie. Quand il marchait dans la forêt, il a rencontré un renard. Bonjour, je m'appelle Jimmy Renard, dit le renard. Je m'appelle Jopa, dit le boulanger. Jopa détestait le renard, donc il ne faisait pas confiance au renard. Jimmy Renard demande le boulanger pour une tranche de pain, parce que le boulanger s'est trouvé qu'il apportait du pain avec lui pour un petit déjeuner pendant sa randonnée. J'ai très faim, dit Jimmy Renard. Je pense pour un moment. Quand le boulanger pensait, le renard dit, s'il vous plaît, je n'ai trouvé pas l'aliment pour 3 jours. Je lui dis, ok, je vais donner une tranche de pain. Mais pendant qu'il donnait du pain au renard, il a remarqué que pour un renard qui ne pas mangé depuis 3 jours, il avait plutôt rassé. Il pensait aussi. Renard ne mangeait pas pain. Mais malgré cela, il a donné du pain au renard. Merci beaucoup, je n'oublierai pas ça. Le renard et le boulanger se séparaient et se dirent au revoir. Le jour suivant, Jopa marchait dans la forêt. Il voit beaucoup d'oiseaux se posant derrière des buissons. Il pense qu'il y avait trop d'oiseaux se posant derrière des buissons. Il est allé derrière les buissons pour vérifier ce qui s'est passé. Quand il arrive, il voit Jimmy Renard nearer le oiseau. Coucou, j'ai pendu avec buisson le pain pour manger. Parce que tu as faim. Jimmy Renard a répondu avec, je sais, Joe. Et je suis désolé pour te mentir. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voulais nourrir les oiseaux hier? Demande le boulanger. Je pense que tu ne me croyais pas, dit Jimmy Renard. Pourquoi je ne croyais pas tout? Demande la boulanger. Et Jimmy Renard dit, parce que quel type de renard parle au voisin? Tu crois que j'ai monsieur Renard? Ou c'est ce que je dirais, ça ne me voit pas le piège là, dit le boulanger. Alors, le renard dit, tout m'a monsieur Renard, ma plan c'est. J'ai demandé tout pour tranche de pain. Et quand tu as creusé la forêt, je vais apporter les oiseaux avec le pain. Quand tu es arrivé, j'ai dû inventer un mensonge. Alors, j'ai essayé de te faire croire que je devais te mentir sur ce que je faisais vraiment. Tu m'es presque, monsieur Renard, si c'est même ton vrai nom. Avant que le renard ne puisse réagir, le boulanger prend le masque que Jimmy Renard portait pour révéler Panjo. Le pire ennemi de Jopa, aka le gardien d'oiseaux de Ateuni. Vous avez encore ruiné ma plan, monsieur Pa. Mais je t'aurai
la prochaine fois. Alors que le gardien d'oiseau s'évanouit en fumée et d'aspirure, il est maintenant de nouveau à Téhéuni. Le gardien de l'oiseau a presque retiré ses oiseaux. C'est une bonne chose de je remarquer ce piège juste à temps, a déclaré Jopa. Le boulanger recommençait à marcher, promettant de ne plus jamais faire confiance au renard. Fin.